Dans cette vidéo, vous allez apprendre à frapper un coup droit décroisé. Il s'agit d'un coup agressif pour attaquer le revers de l'adversaire. Vérifiez que vous avez bien regardé la vidéo sur la façon de frapper un coup droit. La meilleure occasion de frapper un coup droit décroisé est lorsque la balle se trouve à 30 ou 60 cm dans le terrain et à moins de la moitié du terrain de votre revers. Les trois étapes clés sont la préparation, le coup et le suivi. La préparation. Utilisez une prise très fermée de coup droit ou extrême de coup droit pour le coup droit décroisé. Faites un pas de côté et reculez le pied du côté de la raquette. Faites quelques pas en arrière vers le côté du revers et chargez la jambe du côté de la raquette. Évitez de courir sur le côté et de faire une rotation unitaire au dernier moment. Après le pivot et le tour d'épaule, relâchez la main sans raquette et faites pivoter le bras avec la raquette vers l'arrière. La tête de la raquette doit être dirigée vers le haut. Étendez votre bras sans raquette parallèlement à la ligne de fond pour vous aider à vous équilibrer et à juger la trajectoire de la balle. L'extension du bras sans raquette vous permet d'avoir suffisamment d'espace pour dérouler et terminer votre coup. Le coup. Pliez votre poignet vers l'arrière et laissez tomber votre bras avec la raquette. Transférez votre poids vers l'avant. Faites une forme de C avec la raquette en vous approchant de la balle. Frappez la balle juste un peu devant votre corps quand elle est à la hauteur de votre taille. Au moment du contact, les cordes doivent faire face à votre cible, dans ce cas, le revers de votre adversaire. N'oubliez pas que le timing est essentiel. Pour le coup droit décroisé, touchez la balle un peu plus tard que pour le coup droit long de ligne. Le suivi du coup. Faites un pas en avant, tendez la raquette vers l'avant après le contact et balancez-la au-dessus de votre épaule. Accélérez au contact en un seul mouvement jusqu'à la fin du coup. Demandez à votre partenaire de vous lancer des balles sur le revers et entraînez-vous sur votre coup droit décroisé. Bon jeu !